Alors, il y a préalablement toute une série de préjugés courants, assez communs, à propos des réseaux sociaux et des pratiques des jeunes, qu'on peut résumer en trois mots. Hein. D'abord, une diabolisation de la technologie, c'est-à-dire qui consiste à dire « mais tout ça, c'est de la faute aux réseaux sociaux », bien entendu. Pourquoi on ne les supprimerait pas, ces épouvantables réseaux sociaux ? Un deuxième préjugé, c'est la pathologisation de l'adolescence, hein, qui consiste à dire « mais ils sont tous cinglés, les adolescents, qu'est-ce qui leur prend ?» hein ? Or, les adolescents sont aujourd'hui tout aussi cinglés que nous le fûmes à leur âge. Et puis, il y a un troisième préjugé qui est une forme de nostalgie ou de panique morale qu'on voit un peu trop souvent dans les médias et qu'on peut résumer comme ceci. Hein. C'est la panique morale surgit quand un événement important se produit dans la société, amplifié par les médias, il devient tout à coup beaucoup plus visible et même parfois de façon illusoire, devient potentiellement plus important que le fait initial, voire même occupe toutes les pensées. Alors, ben voilà quelques exemples hein, d'articles de presse hein, à propos d'abord de la pathologisation des pratiques adolescentes numériques. Hein. Vous voyez, mon ado est-il malade des écrans hein, donc le terme maladie est utilisé. La dépendance au smartphone, un mal croissant chez les jeunes, donc le terme dépendance est utilisé. Accro au net, même en maillot. Hein, donc ça veut dire que le smartphone nous accompagne partout, même dans des endroits où en principe on ne devrait pas l'avoir. Et puis le dernier, hop, pardon, j'ai abandonné, je ne sais pas où je suis, hein, pardon. Ah voilà, accro à Facebook, offrez-vous une cure de désintoxication numérique. Donc le terme accro et désintoxication est utilisé aussi. Diabolisation de la technologie, de nouveau, quelques exemples. Le selfie est plus meurtrier cette année que les attaques de requins. Hein, rendez-vous compte, le nombre de morts à cause d'attaques de requins, eh ben les selfies, c'est encore pire. Fusillade de Munich, les réseaux sociaux en cause. Il faudrait peut-être parler des assaillants avant de mettre en cause les réseaux sociaux. Et puis la dernière, 27% des élèves du secondaire ont été insultés sur Internet. Je trouve ça assez sympathique parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais été insultés sur Internet et c'est un chiffre notoirement plus faible que le nombre d'élèves qui ont été insultés dans la vraie vie. Je précise d'ailleurs que dans le cours... Pardon, de nouveau ce petit problème. Dans le cours de l'article, on passe de l'insulte au harcèlement. Donc on commence par dire que 27% ont été insultés, et puis ça devient 27% ont été harcelés. Alors, trois pièges, mais non, il y en a un quatrième, c'est le traitement monocausal de situations complexes, c'est-à-dire imputé à un effet, un phénomène unique, ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on parle de harcèlement dans les réseaux sociaux. Quatre pièges, non, il y en a un cinquième, c'est la distinction qu'on continue à faire aujourd'hui entre virtuel et réel, comme si c'était deux mondes complètement séparés, comme si le virtuel n'avait rien à voir et rien à faire avec le réel. C'est une vieille distinction de la philosophie grecque, mais qui n'a plus cours aujourd'hui, dans la mesure où tout ce qui se passe sur le virtuel, dans la sphère virtuelle, est bien réel, et les enseignants et les directeurs d'école en savent quelque chose. Il y a aussi des mythes à questionner, c'est la question du suicide des adolescents, même s'il y a des études épidémiologiques sur le nombre de suicides d'adolescents, ben ça n'augmente pas, enfin le nombre de suicides en Belgique n'augmente pas. Et il faut quand même constater que parmi les gens qui se suicident, ce sont les jeunes qui le font le moins, hein, même si c'est épouvantable, même si c'est atroce, même si c'est la deuxième cause de mortalité, ça reste relativement, ça reste beaucoup plus faible que les autres catégories d'âge. Alors, ce qui inspire aussi des réflexions du genre de celle-ci, ben, globalement, les adolescents vont beaucoup mieux qu'avant, figurez-vous. Simplement, ils ont beaucoup plus de possibilités d'expression, plus de chances de réussite dans la vie personnelle qu'auparavant. Mais ces facilités rendent incompréhensible le fait qu'ils puissent aller mal. Donc il y a une pression qui s'exerce sur eux, d'autant plus que quand les jeunes vont mal, ils s'expriment de façon beaucoup plus spectaculaire que notre génération pouvait bien le faire.